Catherine Morancy, c'est une joueuse de taux. Ouais. Et on a décidé d'y en jouer un avec la complicité de son ami Pierre Hébert. Pierre, oui. Qu'est-ce qu'on va faire à Christine? Depuis le début de la journée, toute ton équipe lui dit que t'es malade, que tu files pas, on va revenir de pause, on va être en direct, puis elle va être toute seule. Est-ce que ça va durer longtemps ou pas? On va le savoir après la pause. Merci à notre partenaire, le lait. Votre lait. Entrevue avec Christine Morancy, c'est moi-même. Martin, un petit imprévu, il vous revient. Alors, Christine, tu étais intervenante auprès des itinérants, mais être humoriste, c'est plus prestigieux. Tu vas dans des gars, on m'a posé cette question-là tantôt, hein? C'est pas grave, je vais dans... Regarde, c'est parce que je voulais vous parler de mon passé d'intervenante. Pour moi, c'est très important. J'ai travaillé pour la Fondation Lise Wattier. Je sais pas si vous connaissez Lise Wattier, une femme merveilleuse. Elle, pour vrai, une femme merveilleuse, OK? Cette femme-là, elle faisait tout le temps des soupers avec à chaque Noël, parce que là, c'est le temps de Noël, on dit tout le temps de donner au prochain. Puis Lise Wattier, les gens savent pas, mais elle venait dans les appartements, les logements supervisés avec les femmes en itinérance, puis elle amenait toujours un gros repas, des sacs de maquillage, puis les femmes qui était maganée ou pas par la vie, elle les prenait dans ses bras. Hey! 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 Wow! Quelle bonne anecdote! On en aurait pris des heures. Stick, c'était plate! Hey, c'est quoi l'affaire de la petite pine? Non, mais... C'est une anecdote pour les gens qui sont pas supposés d'être là, Pierre. Ah, OK. C'est quoi ton problème? Non, on trouvait ça drôle de faire niaiser. C'est toi qui m'as fait un sketch depuis le début, tu fais semblant d'avoir mal au ventre, puis t'as chié dans les pentes. Je vous haïs! Je vous haïs!